Cause en politique, l'évacuation sanitaire de Jean-Marie Michel Mokoko a été accordée par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Jean-Marie Michel Mokoko devrait se faire évacuer en compagnie de son médecin ce jeudi 30 juillet 2020 pour aller se faire soigner en Turquie à Ankara. Ceci aurait été confirmé par le ministre congolais des Affaires étrangères. Cette décision serait intervenue à l'issue de l'audience que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accordée aux proches de l'opposant le lundi 27 juillet concernant son évacuation sanitaire pour raisons humanitaires. Ses proches demandaient une évacuation vers la France ou le Maroc. C'est finalement la Turquie qui a été choisie. Cette évacuation avait été sollicitée le 2 juillet, date d'admission de l'ancien chef d'état-major de l'armée à l'hôpital militaire de Brazzaville. La santé du général Mokoko s'était fortement détériorée le mois dernier, alors qu'il était incarcéré depuis 4 ans à la maison d'arrêt de Brazzaville. Il y a 3 semaines, il avait été transféré à l'hôpital militaire de Brazzaville, souffrant d'une crise de paludisme aiguë aggravée par de l'hypertension. Pour rappel, Jean-Marie Michel Mokoko avait été condamné en 2018 à 20 ans de prison. Il avait été reconnu coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de détention illégale d'armes et de munitions de guerre lors d'un procès.